La force de l'oralité africaine à restaurer via un projet qui donne la parole aux contes. C'est désormais la raison d'être du projet de préservation culturelle par les arts, Précar. Un programme conçu dans le but de réinventer, réinterpréter l'expression traditionnelle du Bénin à travers la narration. Précar a pour objectif de collecter les contes populaires du Bénin racontés par les aînés de la communauté, transcrit et traduit les contes dans les langues nationales du Bénin, en français et en anglais. Raconter et exposer ces histoires à la fin du projet par le biais des artistes lors des soirées récréatives et artistiques. En clair, il sera question d'enregistrement audiovisuel de contes, entre autres. Hector Sonon va prêter son pinceau pour la mise en image et le public apprendra à les redécouvrir à travers performances et expositions. Trois Sœurs Education Fund à la maîtrise d'ouvrage, l'ambassade des USA a cassé la tirelire pour apporter sa caution financière à une initiative qui épouse sa politique culturelle au Bénin. Je voudrais féliciter l'ONG Trois Sœurs Education Fund pour sa sélection. Après un processus très compétitif, très compétitif, elles ont gagné. Ce projet est l'un des moyens par lesquels nous travaillons avec le gouvernement pour accueillir davantage de touristes ici afin qu'ils découvrent la riche histoire du Bénin. L'histoire du projet Précar, c'est celle d'un conte qui roule et qui roule, avec une narration forgée pour redonner via la parole autour du feu, au clair de la lune.